Et merci beaucoup. Je vais parler français comme on a décidé de le faire avec Naila Pardo, que je remercie avec tout le monde qui et tous les organisateurs de cette réunion. Et, alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ces changements qui a apporté la pandémie par rapport au musée. Et cette conversation se déroule sous deux volets. Un premier plus général et un deuxième un peu plus spécifique lié à une recherche justement qui est actuellement en cours à Rome par les LARS, les laboratoires romaine des sémiotiques et la contribution en particulier du professeur Paolo Pevedini. Et donc, il s'agira évidemment d'une présentation un peu ethnocentrique, je l'ai dit. C'est parce que les exemples sont pris surtout en Europe et en Italie. Mais je pense que ça peut être utile pour donner des exemples de travail à d'autres gens. Alors, donc, il n'y a rien de plus beau, comme vous le savez, de visiter physiquement un musée. Le musée est généralement situé dans un site qui constitue son environnement, dont il est, pour ainsi dire, la pointe, le fer de lance. Il est difficile de visiter les Louvres en ignorant Paris et les musées d'or en ignorant Bogota. Il arrive aussi qu'un lieu sans caractère particulier soit mis en valeur par la construction d'un musée. Je pense, par exemple, à des musées qui sont bâtis dans la périphérie des grandes villes, par exemple à New York, dans les Queens, les MoMA PS One ou les musées Paul Klee dans la campagne bernoise. Et bien que les musées aient toujours été un symbole de l'urbanité au sens large que nous attribuons à ce terme, il y a 20 ans, avec la construction du Guggenheim à Bilbao, en Portugal, 1997, le musée, dans cette déclinaison spécifique, a été reconfirmé non seulement comme un puissant attracteur des publics et des formes de tourisme diverses, mais aussi comme un puissant moteur de régénération urbaine. La ville de Bilbao, comme vous le savez, a changé positivement son image en déplaçant les principaux axes de son économie, de la production d'acier vers la production culturelle et le tourisme. Et encouragée par ses succès, de nombreuses villes ont vu dans la formule du nouveau musée une opportunité de réaménagement et de positionnement dans les grands circuits des villes, des smart cities et du tourisme international. Je pense que, par exemple, aussi à Medellín a été bâti récemment un nouveau musée qui a ces caractères. Mais quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux musées? J'essaye d'en énumérer quelques-unes, un caractère architectural fort de l'œuvre architecturale en concurrence avec les œuvres qui sont contenues versus l'idée typique du musée moderne comme contenant notre en dialectique avec les contenus. S'il est vrai qu'en entrant dans les musées, l'objet change de statut, il est aussi juste de souligner les qualités de cet espace en axant la visite en termes avant tout d'expérience du lieu. Et des grands espaces polyvalents conçus pour des larges publics, à l'image des parcs à thème ou des grands espaces de transit de notre époque.
avec des expériences de consommation à différents niveaux, shopping, restauration de qualité, etc. Et encore des grandes expositions capables de ramener le public dans les musées qu'il a déjà visités, et une orientation vers le public dans une attitude pédagogique et de divertissement. Donc, par exemple, ici, nous avons l'image de Max à Rome qui rentre dans cette typologie. Et vous voyez de ces photos que l'expérience de l'espace est tout à fait extraordinaire, tout à fait différent de l'espace, disons comme ça, notre et de la galerie traditionnelle. Donc, évidemment, il s'agit de ces caractères des nouveaux musées sont des caractères liés en particulier à la mobilité, à la physicalité des très forts de l'industrie touristique pré-Covid. Et c'est dans cette direction que la recherche sémiotique dédiée au musée et à ses visiteurs s'est orientée. Je rappelle quelques textes qui résument cette recherche. Ce sont les textes que surtout avec lesquels surtout j'ai travaillé, les textes de Manar Ahmad, qui travaille à partir d'une sémiotique de l'espace, de Santos Zunzunegui, qui travaille à partir d'une sémiotique du spectacle, mon travail sur les nouveaux musées à partir surtout de l'œuvre architecturale, et Francesco Masciani, qui dernièrement a souligné la possibilité d'une approche ethno-sémiotique au musée, c'est-à-dire vraiment basée, fondée sur la visite et les perceptions sensorielles complexes qui nous avons quand nous visitons un espace. Alors, évidemment, ça, excusez-moi, j'ai une diapo en italien, mais je crois que les langues néo-latines devraient se comprendre entre elles assez facilement. Et à partir de ces études, par exemple, nous avons, en particulier Zunzunegui, nous a proposé une typologie des musées qui fait voir comment, selon la structuration de l'espace et selon les caractères des parcours, des visites et des dispositions des objets dans l'espace, on peut faire une différence assez remarquable entre des musées traditionnels, des musées qui ont des normes modernes, des musées non modernes et des musées non traditionnels. La première opposition entre musées traditionnels et musées modernes est donnée par justement ce que je venais de dire, les conteneurs versus les contenus, tandis que les musées non modernes, les musées non traditionnels ont neutralisent cette opposition entre l'architecture et les œuvres à l'intérieur, c'est-à-dire l'architecture est une œuvre elle-même. Et avec la pandémie, évidemment, les restrictions et finalement les verrouillages, les lockdowns, tout a changé, évidemment, à l'extérieur et à l'intérieur du musée, qui peut-être a été injustement pénalisé par des directives qui ne tenaient pas assez compte de ses spécificités, comme la possibilité de contrôler les nombres d'accès, la qualité des grands espaces et ainsi de suite. Et comment les institutions muséales ont-elles réagi? Pour toutes, ce fut un choc, pour beaucoup, une occasion de réorganisation et de réorientation.
Pour certains, ce fut une catastrophe, du moins sur le plan économique. Tout le monde ne sait peut-être pas, par exemple, que les musées du Vatican, que c'est le musée le plus visité d'Italie, consacrent une très grande partie de leurs revenus, environ les 70%, à l'entretien des autres structures du Vatican. Et pour les plus actifs, parce qu'il y a eu aussi des musées qui tout simplement ont serré et n'ont rien fait, mais beaucoup des musées se sont déplacés en ligne, comme dans de nombreux autres domaines de la culture et de l'éducation. Et les musées eux-mêmes, après tout, avaient depuis longtemps confié une part importante de leur identité et de leurs services à des sites Internet. Et un aspect justement très important des nouveaux musées était leur capacité à intégrer la double dimension physique et numérique, ou les possibilités que nous recherchons tous aujourd'hui était déjà prévu, la possibilité d'avoir des archives online, de donner des conférences, d'avoir des paquets didactiques, des analyses des œuvres, des informations, etc. La pandémie a permis donc aux musées de devenir de plus en plus accessibles et de proposer leurs services sur Internet. Mais avec la pandémie aussi, un effort supplémentaire de communication et surtout des présences s'avèrent nécessaires. L'Internet est devenu non seulement les véhicles pour attirer et organiser la visite effective des destinataires, mais aussi, d'une certaine manière, un substitut du musée lui-même. Aller au musée a signifié se connecter au site web du musée et adhérer pleinement aux thèses, par exemple, des adeptes du musée électronique, que Marshall McLuhan avait déjà défendu avec ses collaborateurs dans la seconde moitié des années 60, dont les caractéristiques auraient été l'immersivité dans un espace non linéaire et non passif, les changements grâce au virtuel, de la disposition sensorielle et perceptive, et donc l'expérience d'espace et de temporalité relationnelle, non homogène entre elles, est remis en mouvement par l'expérience esthétique, esthésique du public participant et interactif. Et un cas sur lequel je veux attirer votre attention est le musée égyptien de Turin, ici. Vous voyez les sites Internet, et parce que la présidente de ces musées, qui s'appelle Evelina Cristillene, et son collaborateur Christian Greco, ont édité un livre qui s'appelle Les mémoires du futur, musée recherche, qui porte un regard différent sur les possibilités de réflexion offertes par la pandémie, y compris l'apport de nouvelles technologies. Alors, dans ma conférence, nous verrons dans quelques minutes comment des musées ont utilisé les nouvelles technologies, surtout pour faire une nouvelle communication et, comme j'étais en train de dire, pour organiser mieux leur site Internet et tout ça. Mais les auteurs donc dont je suis en train de parler, c'est-à-dire Cristillene Greco, soutiennent l'idée que les nouvelles technologies peuvent aider fortement les musées à réfléchir à nouveau sur sa mission. Et c'est très intéressant leur travail parce que la façon dont ils conçoivent la mission du musée est une façon très liée à une sémiotique de la culture, sans le dire, mais effectivement, nous, par exemple, ils insistent
sur l'importance des objets qui sont dans les musées et sur l'importance d'offrir aux visiteurs une biographie de l'objet, c'est-à-dire de ne pas tout simplement l'exposer comme d'une façon propriétaire, comme si c'était quelque chose de très beau, de très rare, mais de le mettre en relation avec les communautés dans lesquelles il était utilisé et montrer les parcours aussi cognitifs et de recherche sur la base desquels on choisit ces objets et on les met à l'exposition. Et il faut dire aussi que cette façon d'entendre ce qu'on appelle en anglais les digital humanities, c'est-à-dire les possibilités que nous donnent les nouvelles technologies de l'information, ce n'est pas en conflit avec une vision plus superficielle ou plus communicative. En fait, vous voyez là quelques images du site internet du musée de Turin qui est autant informatif que beaucoup d'autres. Mais c'est très important, cette idée que les nouvelles technologies ne sont pas seulement un moyen pour donner une communication, mais aussi un moyen pour faire une recherche meilleure et donc renouveler la façon dont on expose les objets. Il faut dire aussi que le musée Egizio de Turin est un musée dont les collections ont une histoire dont il faut parler, parce que souvent, comme vous savez, il y a les problèmes d'où viennent ces objets. Ces objets souvent ont été pris des pays où ils étaient intérêt, et donc il y a aussi toute la question de d'où viennent les objets qui sont dans les musées et quel est le parcours et la polysémie que ces objets apportent, y compris disons comme ça l'idéologie qui est à la base des collections qui, par exemple, en ces cas, sont très anciennes, parce que le musée égyptien date de 1824. Et donc, voilà, et une autre une réflexion à partir des objets du musée. L'objet est, comme le disait Christophe, formien, un sémaphore, et c'est très important de les voir sous cet aspect. Une grande expérience des musées en ligne, disons comme ça, avait déjà été commencée et s'était développée par et grâce à Google. Vous vous souvenez peut-être de Google Art Project, de ses potentialités et de ses criticités. Le plan initial de Google, je parle de 2009, consistait à englober et à googliser, comme on peut dire, le plus grand nombre possible de musées physiques qui, pour leur part, ont vu de bon œil cette opportunité de numérisation, également en tant qu'outil publicitaire pour augmenter le nombre de leurs visiteurs potentiels. Avec la pandémie, cependant, les musées physiques ont dû se réinventer et nombre d'entre eux se sont alors tournés vers Google avec un regard neuf pour comprendre comment mettre en valeur numériquement leur patrimoine et leur mission. Entre-temps, Google aussi a connu une évolution considérable depuis la base de données Google Image Search qui a débuté en 2009. Comme je vous le disais, par un projet expérimental au musée de Prado à Madrid. Alors là, dans cette image, vous voyez André Marot, le
dont le célèbre livre et l'idée du musée imaginaire, c'est-à-dire l'idée que avec la possibilité de reproduire les œuvres données par exemple par la photographie à l'époque où Marot écrivait, il disait chacun peut se construire son musée imaginaire. Et ça, d'une certaine façon, a été l'idée sous-jacente du premier Google Art Project, c'est-à-dire donner aux usagers la possibilité de composer leur galerie imaginaire. Mais ces premières idées des Google Art Project avaient des aspects très intéressants, mais aussi des aspects critiques. L'aspect intéressant, c'était par exemple qu'il mettait à disposition des usagers des moyens pour justement se construire leur galerie personnelle, mais aussi des instruments comme par exemple les Zoom ou la numérisation à haute définition qui permettait à quiconque de son ordinateur de faire ce que nous voyons ici. Bernard Berenson, c'est très fameux critique d'art, faire physiquement avec sa lente sur les tableaux. C'est-à-dire qu'on peut, par la digitalisation des œuvres, et explorer les œuvres d'une façon beaucoup plus fine que de ce qu'on fait normalement quand on visite un musée avec des tas de gens et sans la possibilité de rester devant les tableaux un peu plus. Là, vous voyez. Et en 2020, Google Art a beaucoup changé. Finalement, on s'appelle Google Art Project and Culture. Et a beaucoup changé au sens que a donné toute une série de possibilités qui ne sont plus comme je disais tout à l'heure donner aux usagers quelconques la possibilité de faire ce que font les grands critiques ou les gens qui étudient les œuvres, mais donner une série d'outils pour disons comme ça, jouer avec l'œuvre d'art dans une vision, une valorisation surtout des caractères ludiques, je dirais, et qui, je ne veux pas donner des jugements, mais effectivement, c'est tout autre chose. Là, vous voyez quelques-unes des offres de Google Art and Culture, à Zoom et à caméra. On peut tourner des vidéos à l'intérieur des œuvres, à projecteur. On peut projeter à grandeur naturelle l'œuvre dans sa pièce, color palette. Les œuvres, on peut trouver des œuvres qui aient des couleurs similaires aux photos de l'usager. On peut mettre une bande sonore aux œuvres et encore, nous revenons à les possibilités de visiter les musées à travers Google. Explore with Street View, explore in augmented and virtual reality, explore in 3D, explore in high definition, c'est-à-dire avec ces outils, effectivement, nous pouvons faire beaucoup de choses. Vous avez là des visites importantes, vous avez aussi ces exemples des
des possibilités. Là, par exemple, vous avez la Galleria degli Uffizi sur laquelle nous allons revenir. Et à différence des 10 ans avant, c'est devenu beaucoup plus techniquement détaillé, et c'est vraiment, on peut faire une visite virtuelle, disons comme ça, des musées, voir les œuvres et tout ça. Là, vous avez des exemples. Ce que je veux vous montrer brièvement, parce que je ne dois pas oublier le temps qui court. Je vais vous montrer brièvement une vidéo, si j'arrive, si ça réalisé à l'occasion du deuxième centenaire du musée de Prado, qui résume très bien l'attitude que la numérisation encourage par rapport aux œuvres. Isabella? Sí. Can you please continue, please? We're now online. Vous voyez? Yes, please. Okay. Allora, je reviens là, si j'arrive. Lark and Divisionary Grave System. Un moment que j'essaye de revenir à ma présentation, ce qui n'est pas facile. Et comme vous l'avez, j'espère que vous avez vu. Vous l'avez vu comme la digitalisation à ce moment est en train de pousser sur la narrativisation des œuvres, même si les œuvres sont plus statiques. Et il y a des voix sur le fond, je ne sais pas si quelqu'un a son micro ouvert, mais je viens très brièvement à la deuxième partie de ma présentation, et je parle d'une phrase de Walter Benjamin qui avait réfléchi beaucoup de façon visionnaire sur les conséquences de la reproductibilité technique de l'œuvre d'art. Et en particulier, en ce cas, il disait, la reproductibilité technique de l'œuvre d'art modifie les rapports de masse à l'art, qui passe d'un état extrêmement réactionnaire, par exemple vis-à-vis de la peinture, à un état
extrêmement progressiste, par exemple vis-à-vis du cinéma comique. Et j'ai parlé tout à l'heure d'une vision ludique apportée par la nouvelle technologie sur la médiation de l'œuvre d'art. Et c'est ce qui arrive, qui est arrivé à la galerie des Uffizi, Florence, Italie, pendant la pandémie, et l'utilisation des médias sociaux, en particulier TikTok et Facebook. Le directeur du musée, Eric Schmidt, a inauguré cette nouvelle forme de communication et il a ouvert un account TikTok qui a eu extrêmement beaucoup de succès, parce que il a réussi à coinvolgere, mettre en écoute les plus jeunes, en utilisant les langages des plus jeunes, par exemple avec des boutades, des œuvres, des personnages des œuvres et des boutades. Par exemple, là, nous voyons cette image de la Maddalena, qui a ses cheveux très longs, qui dit il faut que j'aille prendre des chapeaux parce que je ne peux pas aller à me faire les cheveux depuis février, tout ça pendant la pandémie. Et cette décision d'ouvrir le compte TikTok des Uffizi a suscité de nombreux commentaires polémiques, donc beaucoup porté sur l'inadéquation de la plateforme par rapport à la fonction de l'institution. Nous retrouvons encore une fois la polémique entre apocalyptique et intégré, que vous vous rappelez, c'était fixé par Umberto Eco dans son livre de 1964. Et récemment, un philosophe italien qui s'appelle Pietro Montani rappelle que chaque fois qu'il y a toujours un parti qui soutiennent que les technologies numériques s'amplifient à l'extrême, créent de l'addiction, désactivent les pratiques vertueuses de la mémoire et de l'attention et déclenchent des instincts primitifs et agressifs. Et il faut dire que ces nouveaux utilisations de TikTok et de Facebook, des médias sociaux par les Uffizi, a eu énormément de succès et il paraît que quand le musée a réouvert, il y a eu un nombre plus 120% de visiteurs dans les segments jeunes et 90% des utilisateurs du compte sur la plateforme sont des jeunes qui ont moins de 25 ans. Et voilà, je vous montre quelques exemples. J'ai perdu la notion du temps. Si vous pouvez me dire combien de temps il me reste. Entre temps, je vais vous montrer ça si j'arrive. Ce sont des animations. Alors là, c'est évidemment la solitude du chevalier qui rappelle quand les musées étaient ouverts. Ici, Judith avec la tête de Holofernes. Ici. Non,
Date. Ici, par exemple, il y a une autre série où la fermeture des espaces imposée par la pandémie a favorisé une accentuation de l'interdiscours. Le discours de l'institution muséale sort du domaine de l'expérience esthétique pour entrer dans la sphère du discours public. Ces petites vidéos, ces TikTok montraient, étaient diffusées pendant les championnats européens de football. Voyons aussi. Si ça marche. Non, pardon. Là, il y a un peu de publicité. De toute façon, c'était intéressant de voir comment des événements extérieurs à la vie de l'art venaient utilisés pour parler des œuvres contenues dans les musées. Ici encore, il y avait un hommage à la Carna à partir de cette Vénus. Encore un rapport avec l'histoire. Et avec la musique des Abba qui sont un complet très diffusé par les jeunes, on fait vraiment un travail intertextualité, interdiscursivité et intermédialité. Donc, ce sont des objets très intéressants du point de vue sémiotique, évidemment. Et c'est très intéressant aussi la dimension de l'énonciation, c'est-à-dire il y a un travail sur l'énonciation. Nous avons essayé ici de faire une petite typologie. Il y a deux œuvres qui sont animées et donc ce sont les œuvres qui parlent. Il y a des curateurs des expositions, des galeries qui interviennent et qui parlent. Ici, nous avons la curatrice de l'œuvre qui nous parle directement. Ou encore, c'est directement, comment dirais-je, les social media managers qui parlent des œuvres à travers ces moyens. Et un autre exemple, c'est celui du musée Getty, qui s'inspire de l'initiative du Risky Museum et du compte Instagram Tours en Kunst en quarantaine, entre l'art et la quarantaine, pour éviter les utilisateurs à utiliser des œuvres d'art numérisées et téléchargeables de la collection en ligne du Getty. Alors, nous voyons que, en ces cas, les mythes de l'interactivité, effectivement, est rendu possible par ces outils. Et encore, il y a un travail de marketing qui peut aussi se greffer sous ces games qui sont proposés. Je donne encore quelques exemples. Et qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la gamification? C'est-à-dire, par exemple, ces jeux qui s'appellent Animal Crossing a été repris par les Getty pour
pour faire jouer les visiteurs, les jeunes visiteurs, avec les œuvres. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont assez voisines à ce que nous proposait déjà Google Art. Et aussi, nous avons des défilés des modes à l'intérieur du musée avec les vêtements qu'on peut acheter dans les musées. Ici, nous sommes au Musée national des sciences et de la technologie Leonardo da Vinci à Milan, et la collection limitée sciences et technologies. Ce sont des vêtements à thème scientifique et technologique, inspirés des avions, des trains, des voiliers, révélés par un spectacle virtuel. Et on fait aussi un défilé avec ça. Alors, pour conclure, vous voyez que encore une fois, nous revenons aux formes brèves, que c'était un thème sur lequel on avait travaillé. Désormais, notre groupe avait travaillé il y a presque 20 ans. Et donc, on peut à nouveau se rendre compte que les paysages textuels contemporains sont de plus en plus denses et multiformes, difficiles à découper, à déchiffrer selon des stratégies de lecture unitaire. D'une part, il semble répondre à une logique de germination infinie, des supports, des langages, des formes. D'autre part, les technologies de la communication ont tendance à produire des hypermédias capables de numériser et de retransmettre, et donc d'une certaine manière de tout réunir, de remodeler, et donc les langues et les formes tendent à fusionner, à se contaminer et à s'hybrider. Dans un tel environnement de communication, les formats courts de promotion jouent un rôle de plus en plus marqué et caractéristique. Donc, nous voyons que cet mouvement se trouve aujourd'hui à nouveau mis en place, et mis en place par des énonciateurs qu'on n'aurait pas imaginé capables de se mettre en jeu de cette façon, comme je viens de dire, les musées, et les musées les plus disons officiels, comme la Galleria degli Uffizi, les Florence. Je pense que nous avons presque terminé notre temps. Tout simplement pour conclure et pour voir les façons dont nous avons travaillé à partir de ces corpus. Nous voyons que les discours des musées, les discours sur les musées nous proposent, par exemple, une nouvelle dialectique entre espace public et espace privé. Dans le cas des Uffizi, nous avons une réduction de la distance par la médiation inédite de l'œuvre, une opération de réécriture ludique qui reste de toute façon dans l'espace institutionnel de l'organisation. Dans les Toussaint-Kunst en quarantaine, nous avons une réélaboration et appropriation de l'œuvre d'art dans l'espace domestique. Nous avons vu le jeu d'apporter les œuvres chez soi, et la circulation sociale, où nous avons une adoption et un embrayage fait par l'institution qui publie les résultats du jeu des usagers. Et finalement, on peut souligner ces aspects de ce qu'on appelle la gamification et la generator de l'espace institutionnel du musée à l'espace privé collectif à travers le jeu,
et retour, c'est-à-dire la, l'institution adopte et adhère à les jeux et les productions des consommateurs de, des œuvres d'art. En ce sens, on peut parler effectivement d'interactivité promouée par les nouvelles technologies et d'une nouvelle façon de s'est posé par rapport aux œuvres et par rapport au musée, qui d'une certaine façon a été promu par la pandémie. Je vous remercie si vous avez quelques bibliographies. Comme je disais, c'est une bibliographie Europe et italo-centrique et j'espère que de pouvoir bientôt ajouter de vos recherches à ces sujets. Je vous remercie et j'espère d'entendre. Merci beaucoup, Isabella. Votre voix. Parce que ici, je vois seulement mon écran, ce qui n'est pas très drôle. We're trying to get the questions from the audience, so we are just waiting for the questions from the audience in the YouTube and Facebook. But I would like to ask you something about how these memories in the every different kind of monuments that you have researched, how do they contribute to memory? For instance, in Colombia, they get to repeat and repeat those cycles of violence. Do you think that, is there any chance that with those memoir or memory museums, is there any chance to stop memory cycles, Isabella? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je n'ai pas parlé des musées de la mémoire. J'ai parlé des musées des œuvres, des musées des arts. Oh, j'ai compris. Avec des musées des arts, I'm going to try to express my question. I know that you always work on art museums, but What have you or have you have any consideration about memory museums and how they do they participate in the cycles of violence? Have you ever thought about it? Je connais le travail de Ney Lapardo et du groupe de Bologne sur la mémoire. Je viens d'écrire un article avec Patrizia Violi sur les Stolperstein, sur les pierres d'échappement. Je ne sais pas comment on s'appelle ça en espagnol. Mais c'est toute une autre question. Je vous ai parlé de la communication des musées d'art et d'une tendance ludique et de gamification. Je ne crois pas que ces discours soient pertinents pour les musées de la mémoire et de la violence, franchement. C'est tout un autre sujet.